Salut tout le monde, c'est Largo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hypixel en Skywars, où on va aller en Skywars le qui bloque cette fois-ci. Donc ça c'est un autre truc méga double. Ah d'ailleurs je l'ai même pas testé. Bon, il y a personne en méga double. Je sais pas ce que c'est méga. Ah méga, je crois que c'est en fait il y a beaucoup de personnes dans le Skywars dans chaque équipe. Et je crois qu'il y a 3-4 équipes seulement. Donc on a Laboratory. Et actuellement, vu que Laboratory, je sais par expérience que là, c'est tous les tests, en fait, tout ce qu'ils vont tester comme mini-jeu, en Skywars surtout. Parce que après, sinon, on a Prototype. En termes de jeu, ici, on a Prototype où ils testent leurs mini-jeux, voir s'ils plaisent ou pas, et les améliorer. Mais du coup, là, on a le Lucky Block en solo. Et voilà, du coup, on va pouvoir, du coup, là, ressource pack activé, désactivé, donc là, on l'active. Et on va en solo. Donc voilà, ça, ok. Et là, on peut choisir Hunter vs Beast. Ok, j'ai jamais fait ça. Il y en a 4 en plus. Faudrait, bon, je verrai dès qu'il y a plus de monde, peut-être, le tester, voir ce que c'est. Du coup, là, il y a un pack de textures qui se télécharge. C'est pour ça que ça lague un peu. Et voilà. Donc là, ça, bon, déjà, ça a peut-être un peu plus lagué que les autres vidéos, vu qu'il y a des Lucky Blocks, en fait. Donc, juste le bordel. Hop, hop. Voilà, il faut que j'aille foncer sur les autres. J'ai une épée. Nickel. Faut que j'essaye de voir si je peux foncer sur lui. Hop, 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 sans qu'il me voie. Coucou. 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 Yes! J'ai réussi à en tuer un. Et ouais. Et d'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait des challenges qu'on pouvait activer aussi en Skywars, et enfin des quêtes, et du coup, oh putain, ça pourrait être cool. Melon Launcher, je crois que... Attends, ok, nickel. Bon, par contre, ça fait un peu chier. Merde, clic gauche aussi, ça le fait. Ok, ça va pas détruire les trucs. Et, oh putain, ça envoie pas si loin que ça. Ça envoie pas si loin que ça, le truc. Et ah oui, il y a moyen de savoir qui est mort avec les trucs là, les balises. Ça c'est cool hein, en vrai. Donc là, bon, de toute façon, le mec où j'étais, ici, il est mort, ça c'est sûr. Parce qu'on vient de le tuer. Kaboots. What? Ah, ok. Attendez, mais ça sert à quoi Kaboot en fait? Ça sert à quoi ce truc? Putain, vu que c'était le nom de l'attaque qu'on avait eu tout à l'heure. Oh putain, quel salaud. Hop. Et tu ne... Non, ok. Ça met aucun dégât. Je vais... Ouais, bon, j'en remets un autre là, voilà. Juste pour les épuiser. Juste pour dire ça, quoi. Ensuite, sharpness 2, 6,5, 6. Ok, bon. On va... Un... Non, est-ce qu'il y a moyen vraiment d'aller en sous... Oui, il y a un sous-sol. Enfin, ouais, il y a un sous-sol, évidemment. Mais il y a moyen d'aller en sous-sol. Ok. Voilà. Du coup, on a des types de Lucky Blocks. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Il y a ceux-là, donc c'est vraiment spéciaux, avec les bleus aussi. Ou c'est... là, c'est pour les armes, les rouges. Donc, voilà. Donc, là... Voilà, c'est comme le Silverfish, où est-ce que ça tape? Donc là, hop. Voilà, comme ça va lui faire apparaître 8 Silverfish. Et merde, il va essayer de venir par là. Merde. Ok, il va... Putain. Faire... Oh non, l'enculé. Oh, le salaud. Le salaud. Ah putain. Je suis dégoûté. Il m'a eu si rapidement, ce mec. Il m'a tué beaucoup trop rapidement. Ok. Ouais, bon. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer les autres Lucky Blocks, ce que c'était. On a juste vu les Lucky Blocks pour les armes. Donc j'y joue depuis quelques temps à ce mini-jeu. Je l'ai découvert hier en vrai, ce mode de jeu. Et j'ai pas mal joué en fait. Ok, donc là, voilà. On a à peu près tous les types. Je vais vous montrer de toute façon. Ok, donc... Voilà. On a forcément de là des blocs de laine dans un des coffres. Et soyons 16 minimum je crois. Ou alors 32.
Et là, du coup, on a les whales qui bloquent, donc ça, c'est... Je crois que c'est... Merde, c'est ceux qui sont chiants, pardon. Et pour tout le monde, voilà. Insane, bon, ça, c'est les trucs où il y a des trucs insane. Guardian, c'est pour se protéger. Voilà. Donc, jukebox. D'ailleurs, là, vous entendez, il y a de la musique, et dès que j'enlève, il n'y a plus de musique. Donc, c'est comme un casque, en fait. Voilà. Là, on a Rage Armor, donc 50% de dégâts en plus. Vous avez une description pour voir ce que ça fait. Parce que faites gaffe, y a une arme. Merde. What? Il est mort comment? Elle s'est tuée lui-même. Oh, il est mort là-dedans. Oh, c'est trop. C'est beaucoup trop triste. Disco Tunelec, non. Kaboots. Ah, Protection 3 et Feather Falling 10. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais. Parce que du coup il y a le même effet. Wither Blast. Ok. Il y a un mec, il a beaucoup trop de créatures chez lui. Est-ce qu'il va me voir arriver si j'essaie d'arriver par en bas? Je sais pas. Merde. Je vois pas comment il y a moyen. Ok, bon, on se prend un peu de multi-bloc. Voilà, mais j'ai envie d'arriver par en bas pour le surprendre. Je sais pas si vous voyez en fait. Putain, ah ouais, mais non, on voit les particules de l'équipe-bloc, enfin de jukebox carrément. Putain, si je fonce par là, tu vois. Si je fonce par là, comme ça, tu vois, peut-être ils vont m'éjecter. J'ai peur quand même. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il était AFK. Le mec est... Attendez. Le mec, il est où? Il est où? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Il doit être là. Non, il est là. Non, il était là. Il est AFK, bordel. Et je me suis fait démonter par ces zombies. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'aurais dû prévoir plus large. Putain. Bon, on va refaire une autre partie. Je suis trop dégoûté. Ah. Eh, en vrai, ça me régale quand même. Le temps que je lance le UHC Run Badass sur mon serveur, ça me détend. Dès que j'ai envie de faire des trucs ou j'ai envie de taper tout le monde et tout, ça me détend. En vrai, c'est le mini-jeu qui peut le plus détendre. Mais il détend pas non plus de ouf. Parce que c'est pas des trucs comme le Sharon Badass non plus. Mais c'est quand même bien. Voilà. Et du coup, on a au minimum deux Lucky Blocks comme ça aussi. Ça, bon, 5 du coup. Ça, apparemment, peut-être 2. Mais du coup, il y a au minimum deux Lucky Blocks d'armes. Donc si vous en trouvez pas deux, posez-vous la question. Et toi? Non! Putain, attends. Ok. Nickel. Vas-y. Non! Oui! 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 Merde. Putain, le salaud! Il m'a truqué. Ah ouais, le mec qui a des bombes comme ça, moi aussi j'avais des bombes comme ça à un moment. C'est abusé. Ça nous permet de faire de la glace sous soi. Je sais pas si c'est lui qui est mort ou pas, mais ça permet d'avoir de la glace sous soi, c'est abusé dès qu'on marche. Du coup, moi j'avais un peu bugué avec ma connexion vu que je m'étais téléporté, il y avait eu un kaboom, donc j'étais monté tout en l'air. Et puis du coup, il y avait les bots qui s'activaient, ça buguait un peu vu que je m'étais fait envoyer en l'air avec les bots. Du coup, il y avait plein de glace qui spawnait sous moi. Bon, en vrai, elle s'enlève assez rapidement, donc ça va. Mais c'était quand même abusé. Hop, hop, hop. Allez, allez. On a déjà fait un kill au moins avec ça. Voilà. Moi, j'y vais. Voilà, j'ai pas le temps de niaiser. Je peux prendre le troisième coffre. Il est beaucoup trop enfoui dans notre base. Voilà. Hop. Nickel, on prend juste une arme. Voilà. Oh, ça c'est la meilleure arme au monde. Aduryl. Oh, ça c'est bien.
Ça, c'est bien. C'est vraiment bien, ce truc. Ok. On a deux de protection, là. Oh, putain! Faire gaffe! Ok. Oh, putain, j'ai dû... Oh, yes! Rush Pearl. Nickel. Ok. Bon, ok. On est une arme en plus à avoir. Guardian Lucky Block. Donc ça fait quoi? Sharpness 1, donc bague 3. Ok. On a des trucs plutôt cool. Donc là, on a un truc. Bon, je vais pas le montrer maintenant, j'essaie de m'équiper. Hop. Exodus. C'est mieux que ça, je crois. Ok. Donc là, on a un truc. One pound de fish. C'est quoi? Ouais, non, ouais, on a déjà vu. Mais du coup, on a ça. Carotte corrupteur, ça va changer un slot du mec. Je crois de l'inventaire de base. En carotte. Non, putain, j'ai pas eu le temps de bien le taper, le mec il m'a déjà attaqué dès le début. Donc j'ai putain, même là je me fail. Donc j'ai galéré à essayer de le taper. Mais du coup en fait, il y a un mec qui m'avait recté comme ça. Genre on arrive avec vous arrivez avec merde, la carotte sur bâton comme ça et vous arrivez, vous sautez sur lui d'un mec. Et là, vous le tapez plusieurs fois, vous le spammez avec. Et du coup, il a plus d'épée dans son inventaire. Et là, vous le détruisez tranquille avec une autre arme ou même avec ça, si vous voulez. C'est beaucoup trop drôle. Bon. On va faire une autre partie. Hop. Donc. Alors. Expérimente Lucky Blocks. On est 12. Donc, on va pouvoir démarrer la partie. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Et hop. Voilà. Il nous faut les armes. Weapon, Harry. Ça doit être là-dedans. Ouais, il y en a deux, voilà. C'est ce que je disais. Il y en a bien deux à chaque fois. En tout cas, peut-être que vous allez pas en avoir deux, mais moi j'en ai eu à toutes mes îles. À chaque fois j'en avais deux. Donc voilà, je dis une généralité que j'ai eue personnellement. Mais du coup, vous avez deux, vous en avez deux avec des armes. Et voilà. Et d'ailleurs, vous avez. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oh non! Ah non, ça c'est juste. Ok. C'est juste à la base sur son île à lui. C'est un truc. What? You have received the first upgrade. Your punch will now inflict poison and slowness. Oh putain. Depuis quand il y a double jump? Merde. Parce qu'après il y a des compétences double jump aussi et tout. Wild Lucky Block. Ok. On s'en fout. Ninja mode. Oh. Je suis trop refait. Ok, je suis refait. Nickel. Donc ça, c'est instant wall. What? Et merde, je vais perdre mon invisibilité vu que voilà, je la perds dès que je me fais frapper. All chests have been refilled. Please kill the pie. Killed. Oh, pour 300 pièces. Oh, je sais pas comment je l'ai tué. Mais... J'ai gagné 300 pièces. C'est génial ça. C'est genre des bounties, je sais pas trop ce que c'est, mais moi j'en ai eu un sur moi avant aussi. Ah, bordel, bon, un peu une petite ellipse. Donc, ok, donc voilà, bon, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, on va retourner au lobby. Mais putain, mais c'est abusé. Tu fais ce que tu veux. C'est. Le mec, il nous envoie quoi là? C'est abusé ça. Et du coup, ça enlève les textures. Voilà. Ça nous les remet comme neuf. Voilà, comme de base. Et du coup, voilà, c'est nickel. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit... Putain, ça lag maintenant. Un petit like. À vous abonner. Putain, j'ai des traînées derrière moi. Ah, non. Ok. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Ah, d'ailleurs, ok. Ici, voilà, c'était ici les quêtes.
On pourrait démarrer pour les prochaines vidéos, faire des quêtes là, en faisant click to start pour essayer les quêtes une par une. Et du coup, il y a des quêtes plutôt cool. Donc, bah voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Larbo. Tchuss!